Bah, docteur Papillon, nous-mêmes, nous pouvons faire partie politique petite Dessalines. PPPD. 3P plus D. Pas de problème. Et là même, nous mettons nous au travail, nous rédigeons des documents, et puis nous faisons cotisation pour nous payer, la caille notaire, et la même partie politique, petite Dessalines, sous pied. Et capable de nous quelques références parmi les gens qui font des parties ça. Bon, il y a moi-même, Bernard Georges, il y a M. Gracien Jean, il y a Biron Odinger, ingénieur Jean Sondi, il y a Ilotan Senatus, il y a Jean-Silus Aristide, il y a Madame Durozo. Il y a un docteur, non, plutôt député Jean-Claude Lubin, il y a un docteur, oui, Gracia Jean, il y a un Fisnel Sinal, il y a un Sayo que cité là, mais c'était une quarantaine. Voilà, on fait une historique ça, parce que, si monsieur qui t'a parlé l'autre jour, je dis oui, mais à mon Dieu, c'est dans le plateforme petite Dessalines et il n'y a pas de jeune dans le parti politique petite Dessalines. Eh bien, dis-nous que moi-même, c'est membre fondateur parti politique petite Dessalines. Et dans le directoire parti, dans le ministère de la Justice, moi signé comme responsable éthique et morale parti politique. Qui te dit non, mes amis? Nous connaissons le pays a chargé avec gang et chaque gang gagne un chef. Yo. Mais il y a un chef gang, attention, hein, il y a un chef gang qui est plus dangereux que tout. Chef gang, ça, il y a une capacité pour jouer dans l'esprit moun, pour faire railler moun, il y a une capacité pour diaboliser moun. Et ça, pirate, chef gang, ça, il y a une capacité non seulement pour faire passer comme bon moun, mais pour faire passer pour plus bon moun. Moun qui est honnête, moun qui est sérieux, moun qui est crédible. Donc chef gang ça, c'est chef gang qui est dangereux, c'est comprend ou connaît. M'a parlé de chef gang Biloa. Moïse Social! Qui te dit nous? Chef gang Biloa, c'est premier responsable non, le mort président Jovenel Moïse. Deux arguments pour m'appuyer et énoncer ça. D'abord, c'est lui qui a une capacité mobilisée, mais des centaines de monde appelé en bas Jovenel Moïse, qui diabolisait Jovenel Moïse la journée et le soir l'alprin. Sac, valise, l'argent, non mais Jovenel Moïse. Chef gang, ça, responsablement Jovenel Moïse, mais argument clé, lui piéger Jovenel Moïse, lui fait passer comme professeur idéologie Jovenel Moïse. Et lui balie mauvais conseil. Ou encore lui balie un conseil que Jovenel Moïse pour qu'on ait gagné maturité idéologique pour être capable d'aborder. C'est chef gang ça qui conseillait Jovenel Moïse pour débourrer avec maladresse vers pays qui l'ennemi États-Unis d'Amérique en parlant de la Russie. Et c'est
première cause la mort Jovenel Moïse, c'est qu'elle voulait le faire vers la Russie. Et n'a pas songé, jour où assassiné Jovenel Moïse, eh bien, il était tout essayé par ses grands professeurs. Jovenel Moïse est élève là, professeur, c'est chef gang Miloa. J'étais tout débarqué la caille chef gang Miloa pour y'a fini avec ça. Mais lui était déjà connu pour elle. Lui, la guépière, il cherchait le bajouin. Chef gang Miloa, parti point éthique et morale, parti politique, petit Dessaline condamné parce que lui voyait des militants à faire tentative pour assassiner Père Amos Georges, qui est responsable courant éthique et morale dans le parti politique petit Dessaline. Nous condamnons chef gang de Miloa parce que nous voyons des militants à sacrifier, hypothéquer l'avenir, tout pour l'avenir politique. Les gens paraissent devant la presse nationale et internationale avec tout poids, tout figure, à faire violence sans que vous pas imaginer qui conséquence ça va gagner pour eux demain. C'est pour ça que nous condamnons chef gang de Miloa. Nous connaissons le chef gang Miloa parce que lui parmi les monde qui signe pour génocide fait dans la capitale pays à Port-au-Prince. Chef gang Miloa parmi les monde qui signe pour écraser la capitale Port-au-Prince. Ça, ouais, qu'a fait là, c'est pas un bagage innocent qui est traite pays à qui la donne. Songez 18 mai, qui est un conseiller présidentiel à Pétionville. Qui dit Genio, nous mettons calme, nous mettons posé, Port-au-Prince pas belle, Port-au-Prince pas une ville moderne. Donc moi c'est un compagnon comploteur pour craser le pays. Et c'est pour ça, courant éthique et moral, parti politique, petit Dessaline, condamné chef gang Milo. Parler en causé, nous causer pays, nous causer l'amour, nous te chercher well, nous te dire Père Amos. Nous pensons que c'est ça, c'est même causé la palais. Son causé côté que nous avons parlé du conseil présidentiel illégal. Nous avons parlé de l'équipe bagaille illégale. Et puis Père Amos est chita avec nous. Il nous a dit que nous avons essayé de bataille ensemble pour nous retirer de ce salaire. Nous gardons Père Amos qui a une conférence pour la presse là-bas dans le PC Hotel. Nous voyons que une équipe. Jeune garçon, débarqué dans l'hôtel là, en chambre, comme des assassins, il a tenté d'assassiner Père Amos Georges. C'est chef univers qui fait que je dis à Père Amos Georges encore vivant. Sous base ça, nous-mêmes dans l'opération Libérée Haïti, qui gagnait comme leader de Jean-Pierre Joseph, nous avons concerté, nous avons dit, nous ne pouvons pas quitter Père Amos Georges Boucol. En dehors de tout support que lui-même a gagné dans le parti politique, qui est responsable éthique et morale, nous-mêmes dans l'opération de Haïti, nous avons vraiment été avec elle, sous côté, pour nous faire une réponse légale pour vraiment ça va changer pour nous. Sous base ça, en dehors de tout cabinet d'avocat Père Amos gagné, plus de deux cabinets lui-même, nous-mêmes dans l'opération Libérée Haïti, dans le bloc avocat, nous comptons avec le cabinet Palio pour nous faire plus de 3-4 cabinets d'avocats pour nous porter une plainte formelle devant le parquet de la Croix des Bouquets pour tout vagabond qui a tenté de retirer vie de Amos Georges qui fait ça ou les bras de fête, et bien pour nous répondre à la question de la justice, pour nous connaître qui est la justice. Et pour nous dire qui est qui auteur intellectuel crime ça. Parce qu'on t'en a assez d'assassinat son crime. Sous base ça, la presse, comme Père Amos Georges et tout membre parti politique et vraiment politique, petit Dessaline qui est responsable éthique et morale, qui ont déjà parlé. Nous-mêmes, l'opération Libérée Haïti, nous avons trois bagailles, nous avons seulement dit pays
faut nous veiller nèg yo. Les qui disent nous pas rentrer dans illégal, légal et lié. Eh bien, les qui ont dit pas rentrer dans le conseil présidentiel, les qui ont rentré. Les qui ont dit yo pas font bonne bagarre, yo fait. Mais je dis à grâce avec mon honnête qui ont dans parti politique qui dit Dessalines et Pierre George et tout l'autre monde qui dans même courant avec yo, yo dénoncé ça et nous vérité. La 22 août nous avons une méga et conférence de Bakabay pour nous parler de ça. Nous avons dit qui ça représente. Parce que nous avons joué un Georges là et nous avons joué l'autre monde là tout pour nous parler du 22 août. Parti PIA. Est-ce que nous d'accord, Conseil présidentiel Sakla? Non! Est-ce que nous d'accord, Conseil présidentiel Sakla? Non! Est-ce que nous d'accord, Jean-Garry Konya dirige là? Non! Et bien, le peuple a dit non, Garry Konya, comme ça nous fait. Conseil présidentiel a décasé, Garry Konya, vous pouvez quitter le pays. Merci. Tentative d'assassinat qui fait sous révérend Père Amos, que nous tous avons constaté, il y a une violence verbale et physique. Parce que nous avons une vidéo, côté nous avons un coup de drapeau d'abbaye, poussade d'abbaye, raché micro d'abbaye. T'as fait. Nous voulons exprimer ma terre, stupéfaction, consternation face à Zach barbare ça. Son Zach minable, son Zach révoltant, qui intolérable, inacceptable en 2024 en Haïti, après toute bataille qui menait depuis 86 pour nous joindre, ça nous relie liberté pour nous parler, liberté pour nous dire ça nous sentit, liberté pour nous choisir quand nous voulons, liberté pour nous défendre le pays contre l'impérialisme, contre le néocolonialisme et contre tout agrément qui est le pays ça depuis environ 30 à 40 ans, qui a soucié qui mettait le peuple dans sa nuit là. Pour qui ça, tout bagay ça yo? Pendant que tout le monde connaît, Père Amos, c'est le monde qui a défendu les grandes valeurs de la démocratie en dedans parti politique petit Dessalines. Est-ce que Père Amos j'aime prêcher violence? Non. Est-ce que Père Amos m'a dégoumé? Non. Père Amos tout simplement voulait pour valeur, pour idéologie que le gagne, parti a gagné, pour respecter. Donc il voulait corriger ça qui a fait mal et que des monde qui parlait à l'aide que bagayou allait mal. Père Amos fait que défendre ça y aurait égalité en dedans parti. Égalité, même chose pour tout le monde. Équité, parité, c'est ça Père Amos m'a dit, c'est ça la défendre. Et à moi, ça me défend, ça aurait le progressisme. C'est mettre tout ça nous gagne en main. Développement économique là, la science, la technologie, au service de la population, pour nous changer les conditions mondiales. C'est ça, Père Amos, à moi, ça défend. Père Amos, ça défend l'insoumission. Parce que faut que nous camper face à toute agression que le pays a subi, faut que nous campions face à l'impérialisme, faut que nous campions face à chaque crise que nous gagnons, c'est nos ambassades, ou bien c'est dans CARICOM, ou bien c'est Washington, ou bien c'est à Paris pour Nalchita, pour y dicter nous, mais qui ça pour nous faire. Et à chaque fois, ce n'est pas le peuple qui prend le pouvoir. À chaque fois, c'est dans mon boss qui prend le pouvoir. C'est Timon Mioulé ou Rédi Avel ou a fait travail. Donc, ou pas qu'à défendre le pays. Ou pas qu'à faire un yon, ou pas qu'à appliquer un yon. Donc, ou a appliquer sa bosse là, doit appliquer. Donc, c'est nous en cause qui avons mis le pays sous tutelle, dans le comportement nous, dans la façon d'agir, nous-mêmes, dans le courant éthique et moral,
avec Père Amos nous camper, nous dit non, ça pas qu'à fait, pays pas qu'à continuer. Rester en bas tutelle pays l'étranger depuis l'œuvre indépendance depuis l'air assassiné papa pays. Donc c'est ça la vie. Donc c'est politique petite Dessalines content ouais nous en foule en masse pour nous venir capter parole vérité qui fait nègre fait tintin. Pour commencer, aidez-nous. Bayon, bon Dieu, gloire. Pour Monseigneur Pierre-André Dumas, évêque de Miragouane en Savo, qui passait la flamme du feu, mais qui était bien vivant. La flamme du feu criminel, et malgré tout, je dis à les sous deux pieds, l'a fait service bon Dieu. Dimanche, plutôt samedi, qui était 3 août, Monseigneur l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Mésidor, le roi, était rapidement dit un petit mot. Il dit, Monseigneur Pierre-André Dumas a porté souffrance. Peuple haïtien. Oui, c'est un grand défenseur droit peuple haïtien, Monseigneur Pierre-André Dumayé, et c'est pour ça qu'il t'a tué, il t'a passé la flamme du feu. Mais bon Dieu, Kembel vivant, et je vous dit, si bon Dieu t'a pas Kembé, Monseigneur Pierre-André Dumas vivant, la Kembé, pays d'Haïti, vivant tout. Et qu'on est là, quittez-nous dans nous, il y a une petite grâce dans l'histoire, fondation, parti politique, petit décès. Quittez lancer mon ordre, si, croisez le pays, et moi-même, ma bâtir, ma reconstruire. Mais le pays a crassé. Nous condamnons, chef gang, Miloa, parce que la fait une série de bagailles, sans que pièce monde, même mon parti, pas gagné un petit signe de taille. C'est tendé, nous tendé, que raffinerie t'a construit dans le pays. Nous demandons, chef gang, Miloa, pour qu'a dit pays, raffinerie ça, est-ce que c'est business personnel ou bien est-ce que c'est entreprise? Parti politique, petit Dessalines. Ouais, ouais, ouais. Nous demandons, chef gang Miloa, pour dire pays, côté ni joindre l'argent pour être capable de construire raffinerie ça. Est-ce que c'est l'argent Pochli? Est-ce que c'est l'argent parti politique, petit Dessalines? Ou bien est-ce que c'est pays à l'Ivonne pour un petit grataille pour être capable de venir? Nous demander explication et nous demander ULCC, mettez commission d'enquête en action pour être capable d'informer la population. Mes amis, il faut que nous ayons pris le bagage. Nous avons dit, mais nous quittons, reste là pour une autre fois. Quand on est là, en dedans, plateforme petite de Saline, c'est ça que alors. Président Jovenel Moïse a eu intention de choisir Père Amos Georges comme un ministre. Et un jour, moi, député, ancien député costumé, qui passe à côté, me dit, mon père, secrétaire général, Pape Fondland, dit, pour me mener en balai, il dit, m'occuper de ma ministre. Il dit, ah non, il dit, pas du tout. Effectivement, je me déplace mal, le secrétaire général, là, qui dit, mon père, nous avons un bagage, oui. C'est ça qui est secrétaire général. Entendez que vous parlez le ministre. Il dit, bon, de toute façon, rumeur, on ne connaît pas. Il dit, bon, de toute façon, que c'est rumeur, que c'est vérité, nous ne pouvons pas entrer dans aucun gouvernement qui n'est pas gouvernement petit Dessalines. Nous pouvons faire des outils pas nous pour nous gommer sous terre pour nous changer le pays. Écoutez, mon père. Et juste un mot.
On va aller continuer.